Welcome, everyone, to this French Christmas series. We will talk about Christmas miracles, Christmas tales, Christmas traditions from around the world, New Year's Eve traditions, uh, facts, fun facts, anything Christmas related, you name it, we'll talk about it. The goal here is to practice listening with an intermediate level listening, I would say upper intermediate. So if you're not quite there yet in terms of your understanding of spoken French, you can activate the subtitles, or you can look up the transcription in the description, and you will also find a list of vocabulary that I thought would be interesting for you and useful in like different contexts. Do not forget to subscribe and like this episode if you enjoy this format, because that way I'll know that I need to make more for you. Um, C'est parti. Il était une fois, dans les anciennes campagnes nordiques, un symbole de Noël connu sous le nom du bouc de Noël. Cette tradition remonte à des temps anciens liés à des mythes et des légendes païennes. Selon la légende, le bouc de Noël était à l'origine une figure qui accompagnait les dieux nordiques. Plus tard, il a été associé à des célébrations de l'hiver et de la fin de l'année. Dans certaines histoires, le bouc était considéré comme un esprit bienveillant qui veillait à ce que les préparatifs de Noël se déroulent correctement. À l'époque médiévale, la tradition s'est transformée. Des hommes déguisés en bouc parcouraient le village, jouant des tours et demandant des cadeaux ou des friandises. C'était une sorte de mascarade hivernale où le bouc symbolisait la bonne fortune et la fertilité. Avec le temps, le bouc de Noël a évolué pour devenir un symbole de la saison de Noël, en particulier dans les pays scandinaves. Il est devenu courant de voir des figures de bouc fabriquées en paille et en ruban rouge et or, décorant les maisons et les places publiques. Ces figures sont souvent associées à la générosité et à la joie des fêtes. La tradition du bouc de Noël a également une dimension charitable. Dans certaines régions, le bouc est un personnage qui collecte des dons pour les pauvres et les nécessiteux pendant la période de Noël, rappelant à tous l'importance de partager et de prendre soin des autres. Le bouc de Noël a survécu au siècle en se transformant et en s'adaptant aux différentes cultures et époques. Aujourd'hui, il reste un symbole charmant et pittoresque des célébrations de Noël rappelant les anciennes traditions et apportant une touche de magie et de mystère à la saison festive.